Continuons de parler de Jésus à travers la parole. Parce que c'est la relève. Si nous ne prenons pas soin de cette relève, il va y avoir problème. Les gens mourraient en cascade ici. Maintenant c'est fini. Amen. Voici l'œuvre de Jésus dans ce cas. Voici l'œuvre de Jésus dans cette région. Les gens ayaient confiance, ils ont mis la foi. Oui, la puissance de Dieu. Il y a des gens qui mouraient partout. Vous pouvez faire le constat maintenant. Mais mon jeune dame a commencé à arrêter. J'ai dit dans la région, si vous voulez manger, je suis la venue. Mais si les enfants la venue, vous voulez manger, vous avez fait. C'est qui vient vous montrer. Cassez vos dents là. N'ayez pas peur de ces mangeurs d'âme. Amen. Vous avez la protection de Dieu. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez accepter Jésus-Christ. Et marcher avec lui. Et la Bible dit dans le psaume 60, verset 14. Avec Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera de moi les mains. Zaroko sera béni. Le bâton sera béni. Au nom de Jésus. Moi je vois votre voix bitumée quand je passe. Je vois le futur. T'as trop gâté ma voiture ici. Mais je sais que ça sera bitumée. Voici mon combat humain. Il faut que cette région soit développée. On n'attend pas le développement, nous participons au développement. Vous savez que nous sommes en train de débattre. Très bientôt, d'ici un mois, votre dispensaire sera réalisé. Nous allons nous investir dans le financement. Amen. C'est ça la vie. On a Jésus. Produit la vie autour de nous. C'est le combat qui nous mène en ce moment. Nous avons amené beaucoup de jeunes à revenir au village. Ces jeunes sont au village en ville. Ils n'ont jamais aimé leur village. Ils ne vont pas revenir dans leur village. Aujourd'hui, on parle des arbres qu'on a plus peur. Tous les ventes étaient funérailles. Tu peux me dire, il y avait ton air, il y avait ma tâche, il y avait un tempo. Son miracle, il est pathétique. Le cou est enflé comme ça. Qui a vu qu'elle est venue? Qui a vu? Voilà. Qui a vu? Levez le doigt. Voilà. Ceux qui étaient sur l'ont vu. Avec quoi? Le cou était très enflé. Du coup, il y avait une tumeur à l'intérieur. Et quand on s'est vu dans le bureau, j'ai dit tu vas guérir. Son mari, j'ai dit on va guérir. C'est ça la parole du prophète. Moi je suis convaincu de quelque chose. Je ne suis pas le genre qui parle. Moi je suis convaincu, je te dis c'est réglé. Il a réglé ça. Parce que le prophète c'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Il a choisi la révélation de Dieu pour ça. Ça va, il a prié. Quelque temps après, on dit non. Boîte est parti. Oui. Vous pouvez nous rendre témoignage. Monsieur, venez. Tu es content? Vous-même. Ils ont tué un enfant dans ma maison. Et
Ils ont dit, c'est moi, on devait tuer. Mais comme il ne résume pas, c'est ça, ils ont tué le jeune Kabila. Donc ça n'allait pas chez moi. Depuis janvier, je suis allé enterrer l'enfant là. Ça n'allait pas chez moi. Et il y a une femme passeur qui m'a dit, ah, il y a un prophète quelque part. Tu dépenses trop. Ma fille même elle est venue, elle est sale femme, elle est fatiguée. Chaque fois, je suis à l'hôpital, 200, 300 000. Donc, la dame m'a conduit ici. J'étais là, et puisque moi j'étais souffrant, je voyais la mort venir vraiment. Ça n'allait pas chez moi. Et quand je suis arrivé là, vraiment, ils m'ont fait leur pratique, il faut ici arriver là. On a fait une onction d'huile. L'onction d'huile, là, ils m'ont fait. Voilà, et puis, je me suis retrouvé. Seigneur, deux jours après, quelques jours après, on me dit que mon père m'a fait mourir. Elle ne peut pas monter dans le véhicule de voyage. J'ai appelé ma fille. J'ai dit, voilà, il faut aller voir ta maman. On dit qu'elle est mourante. Effectivement, elle ne peut pas prendre. Elle a appelé sa 4x4. Le chauffeur l'a accompagné ici. Moi-même, quand je l'ai vu ici, là, bien avant, elle allait à l'hôpital au Chili. Ils ont découvert deux tumeurs dans sa gauche. Au moment où elle arrivait, elle ne peut plus boire de l'eau. Elle ne parlait plus. Vraiment, c'était moi-même qui ai vu, qui a commencé à pleurer. Donc, quand ils sont arrivés, le prophète était là. On est rentré. Il m'a dit, il ne peut pas pleurer. Elle ne va pas mourir. Elle est arrivée ici, elle ne va pas mourir. J'ai une compassion pour elle-même. Allez, elle est allée se coucher. Elle ne va pas mourir. Moi, elle sera. Vraiment, tout le monde. Ceux qui étaient là, ils ont vu. Moi-même, je pensais qu'elle allait mourir. Quelqu'un me disait, si maladie, elle a dit, toi, tu. Ouais, il est temps. Je dis, elle ne va pas mourir, je disais comme ça par la foi. Et effectivement, en 4 jours, ceux qui ne pouvaient pas respirer, ceux qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas boire, elle a retrouvé la santé. Ouais. On m'a dit à l'hôpital, ouais, si on me fait ça, c'est la rien, elle va mourir. Ouais, ça, on va les corriger même. Donc, la voilà ici, elle va dire. On peut mettre du haut dans ses narines là, pour que la nourriture passe là. Mais on est arrivé ici. Zaroko ici. Jésus qui s'est opéré le miracle en 4 jours. Je bénis l'éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelque chose. Maman, faut dire quelque chose. Ah, yeah. Ma maman, on la gloire du Seigneur. C'est la plus belle fois. Ce soir, ce matin, amen, soit Dieu. C'est pour vraiment remercier mon Dieu. Et voilà, la maman. Sans Dieu aujourd'hui, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. Je remercie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi. Amen, 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 amen. Parce que ici, quand moi je parle, tout le monde me regarde. Vraiment, moi-même j'ai eu honte comme ça. Dis-moi là. Mais Dieu m'a guéri aujourd'hui. La gloire m'a dit. Je remercie mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez, la femme, je vais vous bénir. La femme, je vais vous bénir. Elle est envoyée le tamman à l'abattoir. Ça va? Oui, tamman a fait quel état? Quand tu l'as voyé?
Comment c'était terrible. Ouais. Ah d'accord. Amen. Déjà le coup, d'accord. Lorsqu'on a fait la radio, ils nous ont dit qu'elle avait deux tumeurs. D'accord. Et puis quand le vieux a fait la radio ici, vraiment, j'avais peur. Ouais. Alors, on a envoyé la veille dans un village. Avant deux vidéos, quelque chose allait se passer. C'est pourquoi même. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Elle est vraiment délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! On acclame Jésus! Je te vous bénisse! La gosie est vive à vous! La gosie est vive à vous! Ma gosie est vive à vous! La gosie est vive à vous! Vive à vous! La gosie est vive à vous! Que nos mains nous attendent, la gosie est vive à vous! Yeah.
bouche pas. Il tourne la bouche et prie. Reste en prie. Prie, comment? Thank you.
Avant que tes mains soient posées à ta tête. La présence de Dieu te fait du bien. Je commande aux forces des ténèbres de te lâcher. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Là où tu as été. La puissance de Dieu te touche. Là où tu as été, la main de Dieu. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Là où tu as été, la puissance de Dieu. Force! Là où tu as été, la puissance de Dieu. Et visite là où tu as été. Là où tu as été, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle te touche là où tu as été. Le démon quitte ta vie. La maladie quitte ta vie. Il lâche ta vie maintenant. Il lâche ta vie maintenant. Là où tu as été, la puissance de Dieu. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. La main de Dieu. La main de Dieu. Elle touche. Elle touche. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. L'esprit te touche. Le mal part de ton corps. Le mal disparaît. Les démons te lâchent maintenant. Les démons te lâchent maintenant. La maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus. Les démons lâchent ta vie. Là où tu as été, quelque chose se passe. Quelque chose. Quelque chose. Allez, lâchez-la. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez, lâchez. Allez. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche. Elle te touche maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle vous fait du bien maintenant. L'esprit te touche. L'esprit te touche.
te fais une coupe. Allez. Balance. Balance. Allez. 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 La puissance de Dieu vous touche. Je commande aux esprits de partir. Et de vous lâcher. Allez, lâchez. Allez, Au nom de Jésus. Pendant que j'ai pris, j'ai une dame. Donc, excusez-moi, dans son bassin, j'ai comme une boule. Et puis, il y a comme des puits qui sortent dans son abat. Et là, si elle est là, proche, je vais prier pour toi. La puissance. La puissance. La puissance. La maladie te libère. Tu avais la sinusite.
Tu te guéris de ce mal maintenant. La synergie part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La synergie t'attend de disparaître. La synergie t'attend de disparaître. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. L'Esprit de Dieu me dit, il te guérit. L'Esprit te guérit maintenant. La puissance de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Recevez la délivrance maintenant. Reçois. Allez, lèchez sa vie. Allez, le feu derrière de l'autre côté, la puissance de Dieu, 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 recevez la délivrance maintenant, l'Esprit vous délivre, l'Esprit vous libère, l'Esprit vous libère, et maintenant même, la puissance de Dieu vous délivre maintenant, la puissance de Dieu. Il a dit, Au nom de Jésus, tu entends le toucher terrain. Touche terrain. Je te guéris maintenant. Au nom de Jésus.
La main de Dieu ici. La main de Dieu vous délivre là. Laissez-le. La délivrance maintenant. Laissez-le. Le feu, 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 le
Lâchez-le. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Lâchez-le. Vous le libérez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-le. Lâchez-le. Adorons. Libérez sa vie. Adorons. Vous le libérez maintenant. Au nom de Jésus, je libère ta vie. Je te libère maintenant. Allez, quittez ta vie. Allez, battez. Je le délie. Maintenant. Je te libère. Allez, quittez sa vie. Vous le libérez maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libérez-le. Et mettez la main. Dans le nom de Jésus. Lâchez-le. Le feu sur vous. Quittez son corps. Lâchez son âme. C'est un ordre. Lâchez-le. Maintenant. Allez. Lâchez-le. Partez. Lâchez-le. Lâchez son âme. Le feu. Va rentrer comme un serpent et parti. Comme un sort de ténèbres. Rentre comme le serpent. Lâchez sa vie. Vous n'allez pas le tuer.
Vous n'allez pas les tuer. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. J'annule. J'annule. Au nom de Jésus. Lâchez-le. 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 Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. C'est un homme. Allez. Qui es-tu, démon? Qui es-tu? Toi qui abîmes ce corps, quel est ton nom? Quel est ton nom? Toi qui possèdes sa vie, quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Toi qui abîmes ce corps, qui es-tu? Qui sa vie? Qui sa vie? Qui sa vie? Qui sa vie? Il va partir. Il va quitter sa vie. Il va quitter sa vie. Feu! Bonjour. Feu! Bonjour. Feu! Bonjour. Feu! Va le lâcher. Va le lui.
Maintenant, Marc, reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois, reçois la délivrance. Vous quittez ta vie. Vous quittez ta vie. Vous quittez ta vie au nom de Jésus. Lâchez-le. Lâchez-le. C'est un ordre. C'est un ordre. Il a fini. Allez, amis. Lâchez-le. Un second. Oui, lâchez-le. Un second. Vous allez me libérer cette vie. Allez, vous dire, dans le nom de Jésus. Vous allez me libérer cette vie. Allez, vous dire. Maintenant même. Allez, vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Allez, vous. Lâchez sa vie. 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 Lâchez sa vie. Allez, vous. Maintenant. Maintenant, Mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez-le. Libérez-le. Maintenant, Mère, maintenant, Mère, vous le libérez. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, Mère, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il a voulu, il a voulu. Allez, vous,